Coucou Ponce, du RPG prévu pour 2023. Du RPG probablement un, ouais. Putain, d'ailleurs, je parlais de ça avec, avec Céline. J'ai essayé de lui expliquer la différence entre RPG, JRPG, etc., etc., etc. Mais grosso modo, le RPG veut un peu tout et rien dire, parce qu'à partir du moment où tu contrôles un personnage du début à la fin d'une aventure, t'es sur un RPG, tu vois. Bah Zelda, ouais, mais voilà, tu... Bah, c'est ça, c'est... Genre, c'est difficile de... Au pif, Zelda, ouais, mais du coup... Du coup, il y a quand même beaucoup de jeux qui sont des RPG. Tu vois, avec ce... Et je me suis retrouvé face à Céline, à lui expliquer ce qu'était un RPG. C'est dur, tu vois. Pour moi, Zelda, c'est pas vraiment un RPG. Alors que... Enfin, je... Si, enfin... Je sais... Franchement, moi, je me suis perdu. Je sais plus quoi penser. Hein. Zelda, c'est pas des RPG. Pour moi, c'est pas des RPG. C'est des jeux d'action-aventure. Pour moi, c'est Zelda, tu vois. Sauf que RPG, c'est roleplay game. La réalité, c'est que dans ce jeu d'action-aventure qui est Zelda, tu joues quand même le rôle de Link, tu vois. Moi, j'ai compris que Pokémon et WoW, c'est pareil, mais quand même pas la même chose. Mais ouais, Céline qui dit ça. Mais oui, en fait, en gros, avec Céline, on avait cette discussion. J'essayais. Merci, Corève. Merci pour les 10 abonnements, faire, c'est très gentil. Merci, Corève. Merci pour le soutien. Genre, en gros, elle me disait, mais en fait, Pokémon et World of Warcraft, c'est le même style de jeu. Et moi, je dis, bah non, pas du tout. Ça n'a aucun rapport. Et Céline me dit, mais à juste titre, hein. Elle me dit, ben si, c'est des RPG. Et du coup, j'étais en mode... Alors, ok. Ok, c'est une réalité, tu vois. Ce sont Pokémon, c'est RPG. Et WoW, c'est des RPG. Mais est-ce que ça en fait le même genre de jeu? Non, je crois pas. Parce que d'un côté, tu vas avoir plutôt un JRPG. On va dire un RPG tour par tour. Et de l'autre, tu vas retrouver un MMORPG. Et en fait, bah en fait, en discutant tout ça, je me suis brainfuck moi-même, tu vois. Et en fait, RPG, c'est quasiment... Non, pas quasiment, mais c'est beaucoup de jeux, les RPG. Ça englobe tellement de jeux, RPG. C'est tellement large. Est-ce pertinent de classer encore les jeux? Ah, je sais pas, pour parler à des jeux... Des fois, pour décrire certaines choses, je pense que ça peut l'être, tu vois. Quand même. Moi, j'avais un truc dans ma tête pendant longtemps qui était... Si tu peux customiser, effectivement, je vois des gens dire ça, si tu peux customiser ton personnage dans le sens le monter à ta convenance avec des points de compétence et tout, pour moi, c'est un RPG. Tu vois, moi, je me disais ça à l'époque. Enfin, j'imaginais ça, tu vois. Disons que World of Warcraft ressemble plus à Pokémon qu'à Rocket League. Oui. Oui. Non, mais tu as raison, Céline, quand tu dis que Pokémon ressemble plus à World of Warcraft que Rocket League. En vrai, oui. En vrai, oui. Ça veut pas dire que ça veut pas dire que ça se ressent pour autant, tu vois. Je souffre. C'est compliqué. Hein. Ah, du coup, GTA, c'est pas un RPG. C'est un RPG si on tient ta logique. Ben... Non, mais attendez. Ma logique, c'est pas du tout en mode je défends un avis. Hein. Vraiment pas du tout. C'est plus que je me suis retrouvé absolument brainfuck par Céline, qui me dit, oui, mais si Pokémon et WoW, c'est des RPG, alors c'est les mêmes genres de jeux. Et là, je me suis retrouvé brainfuck à essayer d'expliquer, non, c'est pas le même genre de RPG. Ouais, mais c'est des RPG. C'est chaud. Techniquement, tout jeu où tu joues un personnage est un RPG. C'est ça. Bah, c'est ça. Roleplay game. Tu incarnes un personnage. Du coup, est-ce que GTA... Bah, GTA, ouais, c'est un action RPG. Que dit Wikipédia? Que dit Wikipédia? RPG. Que dit Wikipédia? Je vais... Ah. Ah déjà? Ok, déjà. Regardez qui voilà. Regardez qui voilà. Est-ce que ce serait pas ici le petit Link de Breath of the Wild? Ah. Oh, chat GPT. Ah ouais, mais là, j'essaye chat GPT. Your session has expired. Please login. Ah, faut que je login. T'inquiète. Ça se passe. Zelda a toujours été un RPG pour moi, perso. Genre, oui. Ouais. C'est vrai. T'avais déjà créé un compte. Ouais, bah je me...
Oops, your authentication token is no longer valid. C'est-à-dire ? C'est... De quoi ? Login avec Google, c'est littéralement ce que j'ai fait. Mais quoi ? C'est-à-dire ? Je retente. Avec un autre compte Google. Ça marche. Si, c'était ce compte. Regardez, regardez, regardez. Regardez. Profondeur, Volga en Russie. Loi allemande sur les aires de jeu. Non, si, si, on est bien. On est très, très bien. C'est le compte... C'est le compte original. Qu'est-ce qu'un RPG ? Point d'interrogation. Alors, pendant que lui nous répond, on va aller voir ici. Un jeu vidéo de rôle. Et, ou simplement jeu de rôle. Rôle, pardon. Couramment abrégé en RPG, sigle issu de l'anglais role-playing game, est un genre de jeu vidéo s'inspirant des codes et du principe des jeux de rôle sur table. Ah. Le joueur y incarne un ou plusieurs personnages qu'il fait évoluer au fil d'une quête. Généralement, jeu de rôle contient un univers vaste, un scénario complexe, une durée de vie conséquente. Les séries les plus célèbres du genre sont Ultima, Fallout, Baldur's Gate, Final Fantasy, Kingdom Hearts, Dragon Quest, The Elder Scrolls, Pokémon, Tales of, Persona, Dark Souls, Earthbound ou encore Xenoblade Chronicles. Ok. Sur GTA, tu n'as aucun contrôle sur ce qu'est ton personnage. Dans un RPG, tu as un minimum de contrôle sur ce qu'est et devient ton personnage. Ouais, je suis d'accord avec toi en vrai. Enfin, je suis d'accord avec toi. Je te rejoins sur l'idée, tu vois. Je te rejoins sur l'idée. Principes généraux. Un jeu vidéo de rôle, à l'instar de son homologue papier, est un jeu où un personnage agit sur son univers avec ses propres caractéristiques et non celles du joueur. Le rôle du joueur est d'incarner le personnage avec les objectifs de ce dernier en agissant sur les divers éléments, au travers d'interactions comme les dialogues, à la manière dont il pense que son avatar vidéoludique doit se comporter par rapport aux éléments définis sur, pour lui. S'il s'agissait seulement d'incarner un personnage dans un environnement, tous les jeux vidéo seraient des jeux de rôle. Bah juste, bah c'est ça en fait. En fait c'est ça notre question, tu vois. Au registre des interactions dans l'univers, l'on trouve une caractéristique commune à nombre de jeux vidéo, les combats et confrontations. Alors attendez, qu'est-ce qu'il nous dit ChatGPT ? Un RPG est un jeu de rôle dans lequel les joueurs incarnent des personnages et prennent des décisions pour leur compte dans un univers imaginaire. Les joueurs peuvent interagir les uns avec les autres et avec le monde imaginaire. Ouais, mais là, c'est MMO. Dans lequel ils évoluent en utilisant ses règles et en respectant le scénario établi. Enfin, en tout cas, ça c'est du online. Les joueurs peuvent interagir. Les RPG peuvent être joués de manière individuelle ou en groupe, ou peuvent prendre différentes formes comme jeu de table, jeu vidéo, jeu de rôle en ligne, etc. Ouais, vous avez raison, là, il parlait plus d'un jeu de rôle sur table. Précise jeu vidéo. Cite-moi des exemples de jeux vidéo dits RPG. Je tente. Voici quelques exemples de vidéos type RPG. Skyrim, Final Fantasy XV, Mass Effect 2, The Witcher 3, Fallout 4, Legend of Zelda Breath of the Wild, Pillars of Eternity, World of Warcraft, Dark Souls, Diablo. Putain, ils mettent Breath of the Wild, hein. Attends. La licence The Legend of Zelda est-elle un RPG ? Y a pas Pokémon ? Non, y a pas. La licence The Legend of Zelda est principalement connue comme étant une série de jeux d'action-aventure. Ouais, pour moi, c'est ça. Mais elle inclut également des éléments de RPG. Putain, il est fort hein, ce ChatGPT quand même. Dans les jeux de la série, vous incarnez le personnage principal, Link, et explorez un monde imaginaire en résolvant des énigmes, en combattant des ennemis, en progressant dans l'histoire. Vous pouvez également collecter des objets et de l'équipement qui vous donnent des nouvelles capacités et qui vous permettent de progresser dans le jeu. Ces éléments sont caractéristiques des jeux RPG, bien que The Legend of Zelda soit principalement considéré comme un jeu d'action-aventure. Je me retourne vers le chat et je vois écrit « Demande-lui de me trouver une meuf STP. » Peu cher. Ok.
Il est fort quand même, hein. Quand je vois ChatGPT, j'ai peur à mon boulot. Ça fait peur, hein. Il est précis, hein. Il est fort, hein. Il y a que Breath of the Wild dans les Zelda qui est RPG. Ouais, je dirais ça aussi, en vrai. Je dirais ça, mais c'est purement personnel, hein. Ouais, alors, la licence de jeu vidéo Pokémon est-elle un RPG ? On voit. La série de jeux vidéo Pokémon est considérée comme un RPG roleplay game. Dans les jeux Pokémon, vous incarnez un personnage qui voyage à travers un monde imaginaire en collectant et en entraînant des créatures appelées Pokémon. Vous pouvez choisir votre personnage et votre équipe de Pokémon. Et vous pouvez les faire progresser en les faisant combattre contre d'autres Pokémon et en leur faisant gagner de l'expérience. Vous pouvez également collecter et changer des objets et de l'équipement pour améliorer vos Pokémon et vous aider à progresser dans le jeu. Ces éléments sont caractéristiques des jeux RPG. Des jeux RPG et font de la série Pokémon un RPG populaire et bien connu. Je file bonne journée tout le monde. Bisous Linka. Bisous Linka, ciao ciao. Ciao ciao, ciao ciao, ciao ciao. Ciao ciao. Il connaît Temtem ? Oui, bah forcément. Enfin, je pense, ouais. C'est mieux Pokémon ou Temtem ? Il est difficile de dire quel jeu est meilleur entre Pokémon et Temtem, car cela dépend des préférences de chaque joueur. Tous les deux sont des jeux RPG dans lesquels vous incarnez un personnage qui voyage à travers un monde imaginaire en collectant et entraînant des créatures appelées Pokémon dans le cas de Pokémon ou Temtem dans le cas de Temtem. Il est trop fort, hein. Vous pouvez choisir votre équipe de créatures, les faire progresser, etc., etc. Tous les deux ont également un système de combat tour par tour, des éléments de collection. Il y a cependant des différences, hein, entre les deux jeux. Non mais attends. Merci pour les primes. Merci beaucoup pour les resubs. C'est très gentil. Merci beaucoup. Il y a cependant des différences entre les deux jeux. Pokémon est une série de jeux vidéo bien établie, très populaire, alors que Temtem est un jeu relativement nouveau qui vient tout juste de sortir. Pokémon est disponible sur de nombreuses... Non. Ils disent de la merde. Pokémon est disponible sur de nombreuses plateformes. Non, Pokémon est disponible uniquement sur les plateformes Nintendo. Alors que Temtem est actuellement uniquement disponible sur PC. Non, Temtem est disponible sur toutes les plateformes. Bah si. Quoi ? Téléphone aussi. Ah, oui, vous avez... oui, d'accord, ok. Pokémon Go, téléphone. Ah oui, non, mais d'accord, ok. Switch, DS, Game Boy, GameCube. Oui. Ok. La database vient de 2021. Ah, mais en 2021, c'était pas dispo, Temtem, sur Play et Xbox ? Switch, c'est plus récent, mais... Pokémon a également un univers plus large et plus développé avec de nombreux personnages, régions, éléments de lore, alors que Temtem est encore en développement et a moins de contenu à ce jour. Ok. En fin de compte, il revient à chaque joueur de décider s'il préfère Pokémon ou Temtem en fonction de ses propres préférences et de ce qu'il recherche dans un jeu RPG. Il y a Temtem. Temtem est sorti sur PlayStation en 2020. Ah ouais, t'es sûr ? Je sais pas. Que penses-tu de Arboliva ? Dans le cadre d'un grinding de ladder sur la 9G de Pokémon. Je suis pas en mesure de donner une opinion sur l'efficacité d'Arboliva dans le cadre d'un grinding de ladder sur la 9G de Pokémon, car je n'ai pas accès aux informations sur les mécaniques de jeu de Pokémon et je ne peux pas savoir comment Arboliva s'intègre dans le contexte de la 9G de Pokémon. En général, il est difficile de dire quel Pokémon sera le plus efficace dans un contexte de jeu donné sans connaître les règles et les mécaniques du jeu en question. Qu'est-ce qui se passe ? Icarus ! Merci beaucoup. Merci beaucoup pour les 10 abonnements offerts, Icarus, c'est très gentil. Merci. Franchement, sa manière de meubler, c'est à peu près moi dans chaque oral que j'ai pu passer à la fac. Hein. C'est très très grave. En général, il est difficile de dire quel Pokémon sera le plus efficace dans un contexte de jeu donné sans connaître les règles et les mécaniques du jeu en question. Je vous recommande de consulter des ressources en ligne, de demander à d'autres joueurs de Pokémon pour obtenir des conseils ou des astuces sur la façon de grinding le ladder sur un objet de Pokémon. Non mais en vrai, par contre, il est vraiment fort. Hein. Il est vraiment fort. Huiline pour dire qu'il n'en sait rien. Ouais, bah c'est ça.
Oh, c'est typiquement moi en oral, hein. C'est vraiment... C'est la classique, hein. C'est la classique. Donne-lui un contexte au fight. Ok. Si Arboliva est maxé... si Arboliva est monté de telle manière à pouvoir tank une équipe physique, penses-tu que son apport face à un Gleivodo est suffisant pour nous mener à la victoire? Pardon, j'ai fait des fautes d'orthographe, excusez-moi. Je ne suis pas en mesure de donner une opinion sur l'efficacité à Bolivar face à Gleivodo dans le contexte d'un combat Pokémon. Je n'ai pas accès aux informations sur les mécaniques. Ok. Bon, c'est pareil, quoi. Ouais. Il n'y avait pas de Arboliva en 2021, mais c'est ça. Mais il est quand même capable de dire « je sais pas de quoi tu me parles », de ne pas dire « je sais pas de quoi tu me parles », mais de me dire « je connais pas assez Arboliva ». Je trouve ça assez fou, quand même. Parce que si ça date de 2021... Ah putain, t'es là, Fildrong ? À propos, Ponce, le coaching, je dis ça comme ça. Bien sûr, très cher Fildrong. Bien sûr. Tu peux glisser dans mes DM sur Discord, hein, tu le sais. Mais j'attendais aussi que tu rentres de vacances, qu'on rentre ensemble, etc. pour discuter de tout ça. Fille, donc j'ai beaucoup de choses à te dire, des choses qui ne se disent pas par texto ou par SMS. Mais ouais, ça va. T'inquiète, Fille, donc j'ai des objectifs.